Hell yeah, sur la Web Rock Station on Vinyl Times Classic Rock Radio 633 Flesh Cemetery. En attendant juste que le groupe nous appelle, voici encore un autre single, Wakey Worms 213 Rock. Hier sur la Web Rock Station on Vinyl Times Classic Rock Radio, en direct avec nous ce soir, Florent du groupe 633 en direct. Bonsoir Florent. Alors non, c'est pas Florent, c'est Nico. Ah, j'ai cru que c'était... On avait promis Florent ce soir. Et ouais, Florent est à la bourre sur une autre interview, donc c'est Nico. Ah, bonsoir Nico, désolé. Ah, ouais. Non. Ouais. Ah, j'ai cru que c'était Florent, tu vois. Non, c'est moi. D'accord Nico, bonsoir Nico. Bonsoir. Et bienvenue ce soir donc dans l'émission 213 Rock. Merci pour l'invitation en tout cas. Eh bien écoute, 213 Rock, chaque soir du lundi au vendredi à partir de 20h sur la Web Rock Station Vinyl Times Classic Rock Radio. Nous sommes très heureux de t'accueillir en direct. Et Vinyl Times Classic Rock Radio est une station de mélodic rock en France. Voilà. D'accord. Ouais. Le groupe parisien de rock sans aucune limite. C'est bien vous 633, formé en 2010. Qui a sorti donc son dernier album studio le 1er octobre, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours. Fairy Tales for Strange Lullabies, The Dome. Exactement. Ouais. 633, c'est l'enfant mutant de Tim Burton, Earth, Wind & Fire, Mr. Bungle, le Joker de Todd Phillips. Exactement, avec le tout saupoudré de Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Ouais. Votre musique est à la fois précise, inquiétante, dissonante, au moment opportun, quoi, en fait, quoi. Après écoute de l'album, hein, bien évidemment. Ouais, carrément. Carrément. Mmh. Et sans barrière, comme tu dis. Et sans barrière, effectivement, quoi. Elle renforce parfaitement la tension, hein, qui accompagne de plus en plus la plongée de l'auditeur dans votre univers. Hein, parce que là, on est dans un autre monde, carrément, quoi. Où il se passe beaucoup de choses. Exactement. Ouais. Et justement, après plusieurs années de travail, de dingue, sans relâche, parce que le dernier album, il date de 2015, c'est quand même Deadly Sense sorti donc 2015, beaucoup de choses ont changé. Ouais, il y a eu beaucoup de choses, et puis même dans nos vies de tous les jours, beaucoup de choses ont changé, et c'est ce qui a fait que qu'on a mis autant de temps pour faire un successeur à Deadly Sins, quoi. Donc c'est vrai que, et puis on s'est mangé aussi une pandémie sur la gueule, mine de rien, ça a pas mal retardé les choses, quoi. Alors écoute, nous on a une journaliste de chez nous qui est Madame Aroc, qui très souvent nous dit en direct, parce qu'on a une rubrique, elle dit tous les albums qui sortiront post pandémie seront excellents. Tout simplement parce que les artistes, ils ont eu tout le temps de l'écrire, de penser, de l'écrire, de le composer, de l'enregistrer. Nécessaire, tout le temps nécessaire. C'est pas faux, c'est clair. Ouais. C'est pas faux. Alors nous, l'album, on avait fini de le composer plus ou moins quand la pandémie est arrivée. Mais c'est vrai que ça nous a permis, au niveau de l'enregistrement, du mixage, ça nous a permis de prendre, de prendre notre temps, quoi. On a vraiment, comme tu dis, eu le temps de prendre le temps, de se prendre la tête sur le mixage et... Et on est ultra content de comment sonne le résultat. Donc ouais, ça, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais aussi, mais il y a quand même eu du bon dans cette pandémie. Ouais, effectivement. Donc le temps a servi. Au départ, tout le monde hurlait, tout le monde disait oh, qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la tronche. Finalement, après écoute et après résultat, on a des gros disques. On a une cuvée incroyable. Hein, et effectivement, les groupes, on le sent tout de suite. Hein, on sent des albums beaucoup plus approfondis, beaucoup plus chiadés, quoi. Beaucoup plus mieux réalisés. Ils ont eu le temps. Ouais c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Bah, il y a eu une pause qui s'est ça s'est imposé à tout le monde et tout le monde a eu pas d'autre choix que de s'arrêter et de se dire bon bah voilà, maintenant on est obligé de prendre le temps de faire certaines choses. Et c'est vrai que
Bon, il y a eu des aussi, ça a été un problème aussi pour tout ce qui est concert, toutes les tournées, il y a beaucoup d'annulations, mais mine de rien, ça a permis de bonnes choses, et de prendre du recul sur certaines œuvres, sur certains CD, qui étaient pas négligeables et qui étaient, voilà quoi, c'était quand même une bonne chose pour ça, quoi. Concernant Fairy Tales for Strange Lullabies The Dome, votre nouvel album, je me suis amusé à lire les chroniques hein, concernant votre album disponible via Google. Une seule certitude, les médias se sont régalés quoi, dans la description de votre musique quoi. J'ai senti tout ce beau monde bien libéré quoi en fait. Ouais, carrément. On est ravis des premiers retours qu'on a sur l'album. Et ce qui est vraiment super agréable, c'est que alors, comment dirais-je, la musique est très imagée quoi. C'est ça. Et justement, les retours qu'on a eus, il y a les gens utilisaient beaucoup de références de la pop culture, de références de films pour essayer de comment dirais-je, d'expliquer un petit peu leur ressenti par rapport à ce qu'ils écoutaient, quoi. Et quand tu lis ça et que tu vois que ce ressenti est en raccord avec ce que toi tu as voulu exprimer, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Effectivement que c'est génial. Un premier extrait musical a été disponible pour ce nouvel album depuis le mois de mai, qui était Act Like an Animal. Ouais, exactement. C'est pas Wasp, hein, je rassure tout de suite. Non. Et il a l'air les commentaires de vos fans. Il y a un commentaire de vos fans qui a attiré mon attention. Il disait qui joue à la Mega Drive chez vous? Oh bah on est tous, on a tous. Bah il y a Team Mega Drive et puis Team Super Nintendo. Ah, Mais d'accord. personnellement j'étais plus Super Nintendo. Mais Flo lui était Mega Drive à mort. Et voilà, on voulait vraiment faire un clin d'œil aux jeux vidéo de notre adolescence ou de notre enfance quoi. De toute façon cet album c'est un condensé de clins d'œil et on l'a fait comme une espèce de grosse Madeleine de Proust quoi. Voilà c'est ce qu'il est quoi. Donc on voulait que visuellement ça suive un petit peu la même trame, la même trame en fait. C'est clin d'œil et c'est appuyé sur les choses qui nous ont bercés quand on était gamin quoi. Et ensuite, un deuxième clip, hein, Flesh Cemetery, sorti le 2 septembre, avec un autre commentaire qui dit « We can classify your music, but all those mixes are so cool together. » Les gens, ils adorent, quoi. Hein. Ils sont... Ouais, il y a des bons, ouais, c'est cool. Ouais. Impossible de classer votre musique, tous les mix sont super cool. Et il y a aussi un autre commentaire qui dit « Nice, very pleasant and chill song. » Et un autre de vos fans, un de vos potes qui vous dit aussi « Super les poneys, j'adore. » Avec un gros bisou, genre, tu sais, les lèvres à la Roger Rabbit, tu sais, qui accroche la joue et qui la tire. Boum! C'est un peu dans ce genre-là, quoi. C'est clair. Voilà, quoi. Donc, effectivement, donc un deuxième single avec une musique aussi complètement barrée, différente. Hein, Flesh Cemetery, c'est à part, encore une fois, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est très différent du premier single qu'on a balancé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a balancé en deuxième aussi, c'est qu'il avait comment dirais-je, il représentait peut-être un petit peu moins l'album, mais il était un peu plus risqué, on va dire. On n'aurait pas pu le balancer en premier, quoi. Il a ce côté un petit peu plus, il a des petits Roland Michael Jackson par moment, quoi. Donc, on n'a pas voulu le balancer en premier parce qu'on voulait, pour mes singles, rassurer quand même un petit peu et les gens qui nous suivent depuis le début, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a balancé après Flèche comme single pour justement montrer un petit peu les choses qu'on a expérimentées après sur cet album sans choquer trop les gens qui nous suivent. Qui nous suit depuis longtemps, quoi. Alors effectivement, oui. Ensuite, il y a ce fameux single qui a sorti il y a pas très longtemps, Wakey Worms. Donc ouais. D'autres deux commentaires. Hein, il dit ce morceau, il reste dans le crâne. Hein. Ça, ce sont les commentaires. Ce morceau reste dans le crâne. Mortel comme titre. Ensuite, excellentissime, beaucoup de punch, de mieux en mieux. Je vais devenir fan à force. Ça, ce sont les gens qui laissent. C'est ça, quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est réellement une musique qui est mise en image par le fan lui-même, quoi. Ça reste dans sa tête, quoi. Il n'y a aucune limite dans vos idées, quoi. Exactement, exactement. Oh, ouais, on a eu de. Puis c'est vrai que tu vois, Wacky, c'est quelque chose qui est représenté, qui fait un bon condensé un petit peu de ce que peut refléter en fait cet album. Tu vois, cette espèce de mélange avec de l'électro, avec des sonorités un petit peu plus 80s, mais avec cette espèce de petit grain de folie. Qu'on a toujours essayé de mettre en avant sur notre musique, quoi. Ouais, alors finalement, la combinaison des clips vidéo, c'est 10, 9, 1. Le 10 pour Act Like an Animal, le 9 pour Flesh Cemetery et 1 pour Wakey Worms. C'est la combinaison. D'accord. Ouais, c'est. Enfin, pour moi, ça a un sens, hein, je te dis. Hein, ça a un sens. Voilà, quoi. Après, c'est. Ok. C'est un sens, voilà. Ensuite, il y a Party Inc. et il y a deux titres, Party Inc. et Odam Chicas.
ce sont deux mondes, deux modes d'écriture différents, par exemple, quoi. Voilà, c'est différent, c'est c'est justement ces idées-là. Alors, qui participe très exactement à la composition? Parce que là, on sent qu'il y a plusieurs personnes. On sent que il a fallu se convaincre pour dire ah ça c'est bien, mon idée peut-être avec la tienne accommodée, peut-être on peut mélanger là-dessus. Il y a dû avoir des sérieuses discussions là-dessus, quoi. Eh bah, écoute, contrairement à ce que tu penses, non, moi je m'occupe de toute la compo. Et c'est quelque chose, c'est un travail qui est très solitaire. Et une fois que j'ai suffisamment avancé dans le morceau, j'envoie les démos à Manu qui s'occupe des synthés, du mix et compagnie, qui me fait des retours. Et on travaille un petit peu en duo comme ça. Mais c'est la composition du groupe ne se fait pas justement en groupe, en fait. C'est quelque chose de très solitaire. Et ça a toujours fonctionné comme ça dès le départ, quoi. Ouais. Donc et c'est peut-être pour ça que souvent on nous dit oui, il y a plusieurs genres, ça passe des fois un petit peu de coq à l'âne, mais il reste quand même une certaine, ça reste cohérent. Et je pense que si le tout reste cohérent, c'est que justement ça vient que d'une seule personne. Je pense. Ouais. Alors les gens qui disent coq à l'âne, je sais pas. Là c'est vraiment un style. Hein. Il y a un groupe américain comme ça que j'aime beaucoup qui est moins exigeant que vous. Mais qui va dans le même style, ce sont les Ice Nine Kills en ce moment, quoi. Ah, je connais de nom, mais j'ai pas encore écouté ce que ça donnait. Le nouvel, j'en entends beaucoup parler. Ouais. Le nouvel album est fantastique. C'est beaucoup plus métal, effectivement, beaucoup plus brut. Hein. Mais les idées sont très proches, sont proches. La façon de faire, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment d'accord. Bien, quoi. Ouais. 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 Vos deux mondes se rapprochent, quoi. Chez vous, il y a beaucoup d'humour. Chez eux, il y a beaucoup de sang. D'accord. Bah écoute, j'irai jeter une oreille dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait quelques mois que je vois le groupe passer sur Internet et du coup. Sinon, j'ai eu très peur de l'appellation Release the Heat Shields. Oui, bah écoute, t'es pas le seul. Mais non, en fait, c'est-à-dire que cet album, il y a tout un fil rouge un petit peu. Ouais. Ça raconte toute une histoire et chaque morceau. C'est des petites scénettes qui se passent dans cette espèce de ville un peu immense, ce fameux dôme, quoi. Et du coup, Release the Ishi, c'est en fait tout simplement l'histoire de trois danseurs transsexuels qui dansent la journée, quoi. C'est pour ça, j'ai eu raison. J'ai eu très peur de l'appellation, ouais. J'ai compris ça. Ok. Non, ils dansent la journée et la nuit, en fait, quand la nuit tombe, ils sortent en mode super-héros pour défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Mm-hmm. C'est tout, en fait. C'est tout ce que ça raconte, quoi. Ouais. J'étais dans ma tête, je me suis dit tiens, j'allais partir sur Thriller de Michael Jackson, quoi. Ouais. J'ai eu très peur en lisant ce titre. Je me suis dit qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. J'espère que c'est pas ça, quoi. Et ben finalement si. Justement cet artwork, ah il est vraiment beau, quoi. Il claque. Ah, hein. Franchement, il claque, quoi. On est en plein années 90 avec une vision des années 2000, enfin futuriste, quoi. Un 633 en haut en termes de publicité avec un artiste qui va quoi dans son club de rock et puis j'ai l'impression qu'on est à Tokyo là, entre New York et Tokyo. Exactement, c'est exactement ça, c'est Florian de Chromatorium qui a fait tout l'artwork, qui a fait aussi tout le design. Très joli. Ouais, bah je te remercie. Ouais. Dans le livret de l'album, il y a beaucoup de planches. En fait, il a fait tout un tas de petites planches, des scénettes qui ont des rapports avec les morceaux et qui sont dans le livret. Mais vraiment, voilà, on voulait ce côté un petit peu, tu sais, Blade Runner. Ouais, Cobra. C'est Cobra, le dessin animé, Blade Runner. Un côté Spin City aussi. Ouais, complètement. Enfin, Spin City, complètement. Ouais. Ouais, c'est ça. Akira, ouais. Chose, ouais. Les couleurs sont très jolies. Il y a un petit côté, allez, le fan de base heavy metal va te dire, ouais, il y a un petit côté Iron Maiden Somewhere in Time aussi. Donc, c'est vrai. Moi, j'adore la pochette de Somewhere in Time. Elle est magnifique. Voilà, c'est ça. Mais elle repose un peu sur les mêmes codes qu'on a cités juste avant, tu vois. C'est ça. Tu vois la pochette de Somewhere in Time, c'est du Blade Runner, hein. C'est ça. C'est du Blade Runner, donc. Ouais, c'est ça. Donc, et justement, est-ce qu'il y a un côté comme tu décris la musique comme un concept, effectivement, ça peut être imagé comme au cinéma. Il y a un côté John Carpenter finalement. Ouais, carrément. Complètement. Ouais. Ouais, complètement quoi. Ouais, c'est dû à la pochette et à la musique. Vous avez réussi à allier les deux quoi. C'est dur, hein. C'est super dur. Ouais, puis c'est vrai que Carpenter, il a ce côté, il utilisait beaucoup dans ses BO
de synthé très typé, très typé années 80, c'est normal, hein, c'était cette époque-là, son époque-là, et c'est une chose qu'on a essayé de reproduire un petit peu dans cet album, quoi. On a cherché à utiliser beaucoup de très vieux synthés pour essayer de retrouver ces sonorités qui étaient beaucoup utilisées dans ces années-là, quoi. C'est vrai que tout de suite, tu vois, ça te fait penser à du Carpenter, ça te fait penser, on utilise ces codes-là, ces mêmes codes. La scène métal en ce moment, c'est un peu la mode, hein, ces sons-là aujourd'hui, quoi. On a des sons un peu violent pop qui, ouais. 80s qui débarquent. Tu vas rire, mais très récemment, il y a un artiste qui m'a parlé de Modern Talking, quoi, mais en version métal, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Il m'a parlé de ça, quoi. J'étais très surpris, mais c'est ça. Mais il n'y a pas que la scène métal, hein. Il n'y a pas que la scène métal. Toute la pop culture actuellement, que ce soit le cinéma, que ce soit se repose énormément. Il y a vraiment un sentiment de nostalgie par rapport à ces années-là, quoi. Et moi, ça me rappelle une émission. Peut-être que tu l'as connue. Ça m'a rappelé Culture Pub. Je me souviens de cette émission carrément. Ouais. Carrément. On apprenait beaucoup de choses effectivement à cette période, quoi. C'est clair. Voilà, quoi. Sinon, des concerts à venir? Alors, on est la semaine prochaine au Forum de Vauréal avec Psycup. Ah, bien. Voilà. Et puis, le 19 ou le 20 en novembre, je sais pas encore à quel jour, on est sur un festoche de prog hollandais qui finalement, à cause de la pandémie, aura lieu sur Internet, en fait, sur YouTube. Donc, voilà, c'est le Prog Space Festival. Et justement, l'avenir de 633, est-ce qu'il y aura un écran géant qui va décrire des scènes? Ça va être complètement dingue. Tous les codes que le groupe génère, hein, effectivement, est-ce qu'on pourra les retrouver sur scène lorsque vous aurez bien évidemment le budget qui va avec, hein, parce que ça prend énormément d'argent. Ouais, c'est sûr. Bah, on utilisait déjà sur la dernière tournée, on utilisait déjà un écran pour balancer tout un tas d'images. Donc, évidemment, on va essayer de reproduire ça pour les prochains concerts, ouais, carrément. Ouais. Il faut absolument qu'on essaie de, tu vois, tous les codes, toutes ces images, ces couleurs vives dont on parlait tout à l'heure par rapport à ne serait-ce qu'à l'artwork, il faut qu'on puisse le retranscrire aussi sur scène pour aider vraiment l'auditeur à se plonger là-dedans, quoi. En direct avec nous, Nico, ce soir sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio Group 633, l'album disponible depuis le 1er octobre, Fairy Tales for Strange, le Labiz, The Dome. Voici le track listing. L'album démarre avec Wakey Worms, en 2, Holy Golden Bonheur, en 3, Prime Focus, en 4, Party Inc., en 5, Hot Damn Chicas, en 6, Rabbit in a Hat, en 7, Release the He She's, en 8, Downtown Flavor, en 9, Flesh Cemetery, en 10, Hide Like Animal et en 11, Hangover. S'il te plaît, Nico, juste avant la fin, as-tu un message pour les gens qui nous écoutent ce soir, pour les auditeurs, s'il te plaît? Écoute, je te parlais tout à l'heure de Madeleine de Proust, donc j'espère que les gens qui écouteront l'album retrouveront cette petite saveur particulière, que ça leur rappellera beaucoup de choses, qu'ils auront le même sentiment que nous on a eu en écrivant cet album. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas. On continue merci en musique. Toi. Ouais, merci à toi. Merci en tout cas, groupe 633. L'album, c'est un truc de malade. N'hésitez pas à aller sur les plateformes digitales pour aller l'écouter. Ça vous plaît, il faut absolument l'acheter. D'ailleurs, juste, les gens peuvent trouver l'album, ils peuvent le commander chez vous. Il y a un Big Cartel. Alors, il y a un Big Cartel, il y a le site internet, il y a tout un tas de choses. Et le 15 octobre, il sort officiellement dans toutes les bonnes boutiques, la Fnac et tout le tralala. Donc, voilà. Écoute, merci encore. Wakey Worms tout de suite sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. Just a bunch of Wakey Worms in your cerebral. You'll never get what you decided to. Concept your life. Wake up and let the hogs out. Show me what you cry about.
Hier sur la Web Rock Station on Vinyl Times Classic Rock Radio. Super en tout cas l'interview avec 633 sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. Donc je rappelle, l'album il est disponible depuis le 1er octobre. Il s'appelle Fairy Tales for Strange Lullabies The Dome. Le podcast en l'interview avec Nico sera disponible entre lundi et mardi sur la page Facebook Vinyl Times ainsi que 213 Rock à partir du site vinyltimes.fr. Allez, on termine la soirée sur 213 Rock, le dernier titre de la soirée, et ensuite je vous parlerai de la programmation très précise de l'émission Last Ride ce week-end. D-Void tout de suite, l'interview hier notamment avec Chad Mahé, pareil podcast disponible en début de semaine prochaine. Voici Lonely Eye Movement, ensuite on parle de Last Ride sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio.